Mesdames et messieurs, merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. Il n'y a toujours pas de suite favorable sur les revendications des opérateurs économiques de Boutembo. Depuis lundi, les commerçants ont ouvert leurs portes et ce, après 7 jours sans activité commerciale dans la ville. Par leur mouvement de grève, ces opérateurs économiques réclamaient l'allègement fiscal, un cri d'alarme qui n'a pas laissé indifférent le député provincial Promesse Matofani. L'élu de Boutembo invite les députés nationaux en pleine session budgétaire à prendre en compte les doléances de la population, notamment celles des opérateurs économiques de Boutembo. Même s'ils ont accepté de réouvrir les portes de leurs boutiques et magasins depuis lundi dernier, les opérateurs économiques de Boutembo ne veulent pas voir les agents taxateurs devant les portes de leurs maisons de commerce. Leurs syndicats ont appelé à l'activisme fiscal pour faire entendre leur voix, et ce, après 7 jours de grève. Pour le député provincial Promesse Matofali, élu de Boutembo, il est grand temps que le gouvernement sache que la souffrance de la population de la partie nord de la province du Nord Kivu est bien réelle. Faire la route Beni Kassindi, ça devient cauchemar. Et Beni Bounia est notre cauchemar. Boutembo Kassindi est notre cauchemar. Goma et Boutembo qui devient aussi insécurisé. Et la population ne sait plus quoi faire. On n'accède plus à son champ. On ne fait plus des opérations économiques. Vous voyez par exemple, vous voulez amener les marchandises de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Vous rencontrez à court de route, il y a des coupeurs de route qui viennent, qui brûlent votre véhicule, qui brûlent les marchandises. Ça veut dire la situation n'était plus. Le lit de Boutembo estime que comme la session budgétaire est en cours au niveau de la chambre basse du Parlement, les députés nationaux vont prendre en compte les pleurs de la population en déclarant Boutembo Beni Lubero, zone sinistre. Le député provincial Promesse Matofali appelle à la solidarité nationale. Comme nous sommes dans une période où nous devons avoir un budget pour l'année 2023, je pense que ce serait capital de considérer la demande de la population à travers les opérateurs économiques qu'on déclare les territoires de Beni, la ville de Boutembo, les territoires de Lubero comme une zone sinistre. Parce que le budget est déjà au niveau de l'Assemblée nationale, déposé par le Premier ministre, et nous croyons que lors du débat, que les députés puissent vraiment se solidariser avec la population de cette zone et qui ne sait plus comment s'acquitter des obligations fiscales.